Bonjour à tous et bienvenue. Bonsoir. Donc déjà un fou rire d'entrée alors. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est la journée dossier aujourd'hui. En effet, prenez vos smartphones, faites des captures d'écran. Comment nous est venue l'idée de cette journée dossier? Eh bien mon cher Jean-Pierre, cette idée nous est venue, il me semble, lors d'une réunion de famille. Voilà, alors tout, bon, ça allait très bien, hein, jusqu'à ce qu'on échange quelques petites photos. Hein, somme toute anodin. Somme toute dérapage. Voilà, somme toute dérapage. Non, là il faut partager tout ça. On doit montrer ça. Ah, non, on ne peut pas garder ça pour nous. Il y a du caviar, il y a du caviar. Nous allons partir de nos plus jeunes années et ensuite remonter avec toujours plus de fou rire, toujours plus de seuil, toujours plus de déshonneur. Ça résume bien cette vidéo, hein, le déshonneur. Vous avez 70 ans? Tout à fait. Je vois bien, effectivement, le déshonneur, oui, en 1982. Bienvenue sur Just Elena. Sur Just Elena, alors. D'accord, ok. Donc là, ça commence fort, ok, d'accord. Donc je suis né avec une biscotte, apparemment, très bien. Je sens que je ne vais pas terminer cette vidéo en vie. 1% du temps, Elena sera comme ça. Pourquoi la biscotte? C'est pas une biscotte, monsieur. À mon sens, c'est un pain français. C'est un pain français, monsieur. Donc on est... Tu vois, ça c'est typiquement les enfants. Tu leur achètes des jouets et finalement ils terminent par jouer avec la pêcheur. Si les voitures sont restées complètement intactes. Sacré pamperce qui remonte donc jusqu'au nombril alors. Ce n'est pas moi, hein, je ne me reconnais pas. Ok, donc ça reste dans la bouffe alors, bah parfait. Bah, oui. Mais j'ai l'air d'un damné en fait. Hein. Je viens clairement du village des damnés. Un possédé. Monsieur possédé par le diable. Oh, la bassine. Oh, la bassine. Marie de la bassine. Ouais, pourquoi vis-tu dans une bassine? Écoute, j'ai mon moyen de transport qui est juste derrière. Passons enfin au vrai dossier. Voilà. Alors déjà, on est sur une belle tignasse. Mais sur une belle tignasse, une avec 3 mois à l'époque. T'as 3 mois, t'es sur cette vidéo? Là, ma mère allait m'emmener chez le coiffeur, ingérable. Mm-hmm. J'ai l'histoire, mes parents se font arrêter quand j'ai 4 mois chez ma poussette, ils me disent « Ah, oh, la petite fille, là !» Puis ils disent « Ah, vous lui faites un brushing ?» Non. Mais parents à la jambe, elle a 4 mois, qui est le malade qui va « Vouh !» D'accord, même tignasse, hein. Même tignasse, hein, toujours beaucoup de volume. Et c'est un sac poubelle que vous avez sur vous, madame. Qu'est-ce que c'est? Oh! Ah d'accord, donc là, bébé Mati a grandi. J'adore la poutre. Quoi? Ah ben on connaît l'origine de la souille, hein. On connaît l'origine. Êtes-vous une vache? Une chèvre? Êtes-vous une poupée de porcelaine? C'est ma mère qui m'a donné la photo, elle m'a quand même dit « Je crois que tes joues c'était naturel. » Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais là, c'est pas ton vrai teint. Tu as Je suis blafard. J'ai juste un blafard. Ou alors vous étiez déjà alcoolique à l'âge de 2 ans, je ne sais pas. D'accord. Oh, poseur. Ok, non, mais attends. On fait des photos, on ne fait pas des photos. Poseur, mais en même temps, vous veniez visiblement d'une fosse septique. Je ne comprends pas très bien. Oui, j'ai fait un petit tour dans ma cheminée, apparemment. Ah, ok. Okay. C'est un garçon, tu as muté. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Mais j'en ai marre. Mes cheveux poussaient donc extrêmement vite. Donc ma mère. Ah non, mais elle a tout testé. Ma mère s'est dit, écoutez, je peux faire ce que je veux, dans 2 semaines, ça repoussait. On dirait une espèce de vieux flic des années 80. Genre, chips. Franchement, sans déconner, c'est 1 mois une coiffure. Ok. Ah. Donc. Tu te foutais de ma gueule, l'équipement de la vache. Et tu souviens, la vache. Là, c'est quand même pas mal. Mais le pire, c'est que j'ai appelé ma mère en disant est-ce que c'était une occasion spéciale? Mais non, hein. C'était un simple petit mardi, vraiment. Ah, voilà. Ah. Là, on est un petit peu rocker, mais elle est lente. Et une petite touche de Jean-Luc Ley, et là, j'ai l'impression, au niveau de la tignasse, c'était ton doudou? Non, j'avais pas de doudou. Elle avait pas de doudou. D'accord. Ah, ok, j'avais pas de doudou. J'avais pas besoin de... J'étais heureuse par ma soeur. J'avais pas besoin de doudou. Ok. No doudou. No doudou anymore. C'est ça, ma mère. No doudou. I don't need doudou. You want me to put a doudou? No doudou. Eh, là, on rentre quand même sur un beau gosse. Il y a un regard, écoute-moi bien, toi. Toi et moi, on va être copains. Et je peux appeler malin, d'accord? Ok. Ok, wow. Besoin d'un petit coup de polish. Alors, j'ai un tatouage, apparemment. Non, c'était les tatouages. Mais là, t'es white trash. Tu sais, c'est comme ça qu'on gagnait ses sous à l'époque. On nettoyait les voitures des gens. Ah, les bottes et les slips. Ah, c'est un bon dos. Non, mais il y a plus d'une voisine qui est venue toquer à notre porte, je peux vous le dire. Plus d'une voisine qui est venue toquer. Ah. Mais monsieur, vous êtes piqué, monsieur? Vous avez pris les stéroïdes à l'âge de 6 ans? Je ne comprends pas. Je suis né visiblement avec une propension aux abdominaux à l'époque. Hein, Enfin, tu as 5 ans. On voit d'où ça vient, hein. Y a pas de secret. Pas de secret, le déguisement vient de là. Hein. Ça n'est clairement pas le masque de Batman. Non. C'est un masque de cat. Bah oui. Il y a un mélange. Cat, dès le départ, c'est n'importe quoi. Mm. Ah. Ouh la madame, d'accord, donc on attend son linge. La scolarité. I will be a teacher one day. Et il y a une tentative de déguisement.
Ben, une tentative somme toute ratée. Somme toute ratée, c'était un mardi. mais là, ta mère, mais non, c'était un mardi normal, c'est enfin. Non, attendez, là-haut. Et ça se coiffe. Là là, ça on se commence coiffe. À plaire aux petits garçons. Attention. Parce que pour le moment, c'était la choucroute. Hein. Tout le monde l'appelait la choucroute. Écoutez, la choucroute. La choucroute, j'en ai rien à foutre. Ah, monsieur rentre dans les ordres. Non, mais c'est moi, mais j'ai l'air très bizarre. Particulier comme photo. Drôle de monsieur. Mais tu te déguisais aussi, hein, mine de rien. Oui, mais c'est quand même une banalité déconcertante. Oui, de nouveau. Un déguisement, d'accord, mais une un princesse. Un déguisement, mais une princesse. Bon, après, quand je vois ma pote qui est en pieuvre, je me dis bon. J'ai peut-être bien fait, bon. J'ai 12 ans, plutôt coince-barre, plutôt. Plutôt coince-barre, ouais. Bon, on ne se dit pas qu'elle va être un élément perturbateur en stage. Ouh, la madame, ça non, se plaque. Donc, toi, que... wesh, toi, tu m'as bien regardé, wesh. L'adolescence est la pire des périodes de la tête. Là, je suis déformée, ce n'est pas ma tête. Hein. Le fameux signe. Le fameux, on l'a tous fait. J'avais un petit swag Pokémon. Non, t'avais pas un petit swag. Si, j'avais un petit swag, attends. Non, mais petite... là, tu n'as pas su faire de choix. C'est-à-dire si, que. Si, si, ça, c'est typiquement. Le choix est fait. L'enfant n'a pas fait de choix. Regarde le petit raccord de couleur. Oui, bon, vite fait. Turquoise, turquoise. Petite veste purpre. Le gymnaste commence à faire ses premiers pas. Gym d'élite, ça commence à payer. Attention. Ouh là là. Ah disais, voilà, ça a gagné. Disais, ça a gagné. Bon, évidemment, je suis un peu en retrait parce que voilà, j'ai laissé un peu la lumière aux autres. Il faut aussi. Même coiffure que le chien, apparemment. Ah oui, là, effectivement, la ressemblance est frappante. Même dans les yeux, tout est là. Tout est là. Les yeux, la coiffure, tout est là. Alors, mon mood board à l'époque, c'est quoi? C'est ma gueule, Charlotte et Jean-Claude Van Damme. Voilà. Compliqué. Et Charlotte avec les lunettes de Van Damme. N'effilez jamais vos cheveux. Ça faisait un peu c'est la queue de rat. Jamais été très à l'aise devant les photos. Je n'ai pas énormément de photos. J'ai toujours su au fond de moi qu'à un moment donné, ça pouvait se retourner contre moi. Oh. D'accord. Oh. Là, on est là, je suis sans tout, âme. Qu'est-ce ah oui, qui se passe? Ça va pas, là, ça va pas. Suis-je concentrée ou suis-je en dépression? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez la même chose, mais pendant l'adolescence, t'as toujours 3-4 ans où ce n'est pas ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette madame? Êtes-vous au fond du trou? Ah! Oh, oui, oui, oui. Oh non, pas le coup du téléphone. Non. Mais madame, vous ne parlez à personne. Tout le monde le sait qui est au bout de cette ligne. Non, madame, raccrochez ce téléphone, raccrochez tout. Oh, oh là là, ok. Alors pourquoi avez-vous des stickers sur votre jean? Quelle horreur! Là, je me rappelle très bien. De confiance, hein, sur cette photo-là. Ah donc là, les photos, là, j'ai rien à foutre. Vas-y, prends, alors, qu'est-ce qu'il y a, alors? Ici, c'est notre crew. On est grease, ici, ok? Que toi, à la limite, tu faisais ça, t'avais 7 ans. Bah oui, t'en avais quand même 22, donc bon. Ok, donc là, ok, donc là, bon, en fait, là, j'étais à Brooklyn, you know? Je passais des castings, tranquille, bon. Il y avait le petit swag. Ah, la tristesse. Petit bandana sous la casquette. Ah non, non, bon, non. Voilà, non, j'ai non, eu non, ma période, j'ai eu ma période US. Hein. Ma période hip-hop très très forte hein, pendant mon adolescence, on va le voir. Là, encore la petite figure, il y a un petit peu de fumée. Et voilà, je remontais d'un backflip. Ok, donc aïe. Là, ça devient un peu underground, ok. Là, je vais partir de 3 yeah. minutes. Pas trop envie d'être associé à ça. Non, bon là, on la voit pas, hein, mais le dessous, là, je l'avais pareil, mais au-dessus. Ah, il y a un drôle de monsieur. Hein. Et surtout, on rase toujours bien les cheveux, hein. Ça nous va pas, mais on y va. Pas. Mais non, mais ça, j'ai jamais compris, tu vois. Personne m'a jamais dit à l'époque, ça ne te va pas. Ça ne te va pas, change. Non, mais c'est, pas, c'est ouais. la photo. C'est la photo. Photo, bah oui, mais attends, non, mais c'est évidemment. La photo. Mais c'est la photo. On dirait bien que j'ai sûr. Pas de dents devant. Ok, donc là, donc... voilà, tête plus haut, voilà, plus haut. Voilà. bouge pas. Ok, waouh. Donc là, qu'est-ce qui se passe alors? Donc là, mais c'est de nouveau des mises en scène. Pourquoi je passe non, ma vie à faire des mises en scène? C'est encore ça, un shooting? Comment ça se passe? C'était pour les besoins là, de ma cousine qui est là. Donc là, on a fait semblant de bon, vivre un peu, nouvel an. On est un peu biche là quand même. J'ai l'impression qu'on s'est mis sur 134 là. Et là, on est quand même sur un monsieur qui veut passer sa bonne soirée. Hein. Alors quoi, je vais voir encore? Ouais, voilà, et buvez, buvez, voilà. Là, on est sur du 20 ans. Ok. Je pense. Bien, alors donc deux verres en main, donc qui veut boire? Qui veut boire? Ah oui, on demande surtout qui est derrière, parce que oui, ok, alors pour la photo, attends, ouais. Oh mon dieu. Il y a du son. Oui, je m'en souviens, oui, c'était sur mon Facebook à l'époque. Ok, bon, d'accord, je comprends pourquoi je l'ai mis sur arrêtez mon Facebook. Arrêtez-vous là, oh là, ah, allez. Ok, oh là là, oh d'accord. Oh là, le crâne, oh là, le crâne. Tout est à jeter. Il y a un petit dégoût de la vie quand même sur le petit regard là. Ouais. Petit regard triste. Morose. Ça ne va pas du tout. Vous êtes quand même beaucoup plus ringard que moi, hein, pardon. C'est faux, là j'étais bah, sur... monsieur. Écoutez, j'étais sur un clip à Dubaï. J'ai choc là, non. À l'époque, c'était la base, là j'ai choc. C'est la base des ringards. Ouais, bon, voilà. En fait, c'est ça. Mathieu a toujours le sens du détail que personne ne fait. Qui fait ça avec un cordon? Vous ça referiez cette technique aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Voilà, non, aujourd'hui, voilà non. Tout simplement, voilà. Par contre, j'avais vraiment des lunettes de serial killer, hein, à l'époque. Je vous avais dit que je l'avais connu avec des colliers. Ouais. Je vous avais dit. Pas longtemps, mais... Collier, mais qui met ça?
C'est un collier horrible. C'était un artefact de qualité à l'époque. Et visiblement, tu as peur de perdre tes balls. Oui. Mais je sens que j'en ai plus pour longtemps. De célibat, attention. Septembre 2010. On se rapproche de l'échéance. On se rapproche. D'ailleurs, le t-shirt l'avait compris. Game over. Attention, vous vous souvenez de cette soirée, madame? Vous vous souvenez de cette soirée? Raclette de Noël, hein? J'ai dû vous tirer par les fesses, hein? Madame faisait sa petite difficile. Une fois à la soirée, évidemment, bon. J'ai dû donner tous mes colliers, allez, ok, ça j'ai va. Dû peut-être, j'arrête. En échange d'un collier, voilà. Bon, après, le charme a très vite opéré, hein? La soirée, c'était caisse. C'est à partir de ce jour-là, je t'ai capturé, tel un Pokémon. Tu es maintenant level 10. Level 10, très rare. Première photo, prise dans ça, mon téléphone. Ça, c'est la première télé. Je suis un petit peu. Un petit peu émoustillé. Ouais, ça fait 25 ans hein, déjà, donc ça fait touchant. Il y a une secouche. Il y a 45 tonnes de ferraille en dessous. Exactement. Ouh la madame. C'est un énorme monsieur. C'est un jour je suis fugitive, que je tue quelqu'un. Très important de savoir que un pull, un bonnet, je suis un homme. Appelez-moi Gérard. Alors, c'est très clair, cette photo a été prise en 2013, vous n'aviez jamais médité de votre vie en 2013. Pas une seule fois. Pas 10 secondes. Donc là, vous essayez de trouver l'unité, vous essayez d'avoir une réunion de chakras qui n'existe pas, madame. Vous, vos cheveux, vous ne vouliez pas les arrêter. Sont en bataille. Et moi, visiblement, je viens de tuer quelqu'un. D'accord, tu veux une photo? Ok, après on y va, d'accord. Ah, là, faut expliquer. Ah, le fil. Donc, Mathieu a voulu, en Australie, recopier le mouvement qu'il faisait si bien, ce salto arrière qu'il faisait si bien à ses 18 ans. Sauf que là, ratage sur ratage. Je crois que celle-là est plus embarrassante que la première. Bon, écoute, je vais voir si maintenant j'y arrive. Salut. Il a quand même failli perdre les 3 dents devant, là, quand même. Hein. Ouais. Ah. Ouh là. Ouais, c'est en parachute. Pourquoi lui, il est complètement protégé et vous êtes complètement à la merci de la souille. Mais Ménarine, on est sur Gérard Depardieu. Hein. On est sur les nœuds de Gérard. Ah, la banque. Voilà. Costume de la banque. J'avais pas l'air super heureux, mais bon. Un jour, tu verras. On est dans le décor, corps dans le dans les studios du Warner Bros, c'est ça. Hein. Je vis ma meilleure vie là. Hein. Tu n'existes même pas. Une photo à deux, pourquoi? C'est une belle petite fin. Si vous êtes actuellement en adolescence, ne perdez pas espoir. Bonne chance. Votre visage reviendra à la normale, ne vous inquiétez pas. Ça viendra. Vos cheveux, vous trouverez votre voix. Et surtout, peu importe comment vous êtes, ce qui compte. C'est le cœur qui compte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, mais n'hésitez pas à nous le dire. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau ce qu'on vous a jamais dit. Ciao.